I'm just so grateful to God for confirmation of His word. Je suis très reconnaissant à Dieu pour la confirmation de sa parole. There is a message I wanted to preach. That was in my heart throughout this week. Et un message que je voulais prêcher qui était dans mon cœur tout au long de cette semaine. And just when I wanted to make my PPT. Et juste quand je voulais faire mes PPT. I felt some inner obstacles. Et j'ai senti quelques obstacles à l'intérieur. And I changed. Et j'ai changé ça. Et j'ai senti que c'était le message que tu devais partager avec nous ce matin. When I changed it. Quand j'ai changé ça. And there's a passage that came in my heart. Et un passage qui est venu dans mon cœur. John chapter 3, verse 17. Jean chapitre 3, verset 17. God did not send his son into the world to judge the world, to condemn the world. Dieu n'a pas envoyé son fils dans le monde pour juger le monde, pour condamner le monde. So that the world might be saved. Afin que le monde soit sauvé par lui, him, à travers lui. And when our brother, et quand notre frère to give his testimony, a décidé de donner son témoignage, and I was, as he was sharing his testimony, et quand il partageait son témoignage, he said, there's a Bible verse that touches his heart. Il a dit qu'il y a un verset biblique qui a touché son cœur et qui a mis les choses plus claires pour lui. Passage le passage de Jean chapitre 3 verset 17. It is very key the message I'm going to share with you this morning. C'est tellement clé dans le message que je vais partager avec vous ce matin. Today I want us to talk about a prostitute at the high court of God. Et je vais aujourd'hui parler de la prostituée à la haute cour de Dieu. La haute cour de justice de Dieu. A prostitute. Une prostituée was brought to the high court of God, a été amenée à la haute cour de justice de Dieu, that she may be condemned, afin qu'elle soit condamnée, because she was caught in the act of sin, parce qu'elle a été prise dans l'acte du péché. And the accusers, et les ceux qui l'accusaient, they wanted to know, voulaient savoir, what was the verdict of God, quel était le verdict de Dieu, what was the judgment she deserved. Et quel était le jugement qu'elle méritait? What was the punishment she needed to endure? Quelle était la punition qu'elle devait endurer? Or suffer? Ou souffrir? Or pay? Ou payer? The story is in the book of John chapter 8. L'histoire est dans le livre de Jean chapitre 8. Verse 1 to 11. Du verset 1 au verset 11. I want to encourage each one of you to follow this story. Je voudrais encourager chacun de vous à suivre cette histoire. Verse 1. Jesus went unto the Mount of Olives, and early in the morning he came again into the temple, and all the people came unto him, and he sat down and taught them. Verse 3. And the scribes and the Pharisees brought unto him a woman taken in adultery, and when they had set her in the midst, they say unto him, Master, this woman was taken in adultery in the very act. Now Moses in the law commanded us that such should be stoned. But what sayest thou? This they said, tempting him, that he might have to accuse him. But Jesus stooped down, and with his finger wrote on the ground, as though he heard them not. So when they continued asking him, he lifted up himself and said unto them, He that is without sin among you, let him first cast a stone at her. And again he stooped down and wrote on the ground. Verse 9. And they which heard it, being convicted by their own conscience, went out one by one, beginning at the old eldest, even unto the last. And Jesus was left alone, and the woman standing in the midst. When Jesus lifted up himself and saw none, but the woman, he said unto her, Woman, where are those thine accusers? Where are those thine accusers? Had no man condemned thee? She said, No man, Lord. And Jesus said unto her, Neither do I condemn thee. Go and sin no more, for I want you to be. Jean chapitre 8, verset 1. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple. Et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu ?» Verset 6, il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser.
Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand il entendit cela, accusé par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Alléluia. Amen. I don't condemn you. Je ne te condamne pas. I am holy. Je suis saint. But I don't condemn you. Mais je ne vais pas te condamner. But as you go now, mais pendant que tu pars maintenant, sin no more. Ne pêche plus. You are guilty. Tu es coupable. You have sinned. Tu as péché. You have been caught. Tu as été attrapé. You have been brought in my presence. On t'a amené dans ma présence. But I forgive you. Mais je te pardonne. All your sins until now are forgiven. Tous tes péchés jusqu'à maintenant, je te sont pardonnés. I can condemn you. Je peux te condamner. I will not condemn you. Je ne vais pas te condamner. But as for now, maintenant, go and sin no more. Va et ne pêche plus. The Lord gave her forgiveness. Le Seigneur lui a donné le pardon. That she not deserve. Qu'elle ne méritait pas. The Lord forgave her. Le Seigneur l'a pardonné. When she deserved condemnation. Quand elle méritait la condamnation. She was to be stoned. On devait la lapider. According to the law of Moses. Selon la loi de Moïse. She was to be stoned unto death. Elle devait être lapidée jusqu'à mort. But she was brought to Jesus. On l'a amenée à Jésus. She was brought to grace. Elle, on l'a amenée à la grâce. And to truth. Et à la vérité. And she was forgiven. Et elle a été pardonnée. She was given a new start. On lui a donné un nouveau commencement. All that you have done until now. Tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant. It's wiped out. Est effacé. Now I give you back your life. Maintenant je te redonne ta vie. It was like resurrection. C'était comme la résurrection. She expected to die. Elle s'attendait à mourir. She not fight. Elle n'a pas lutté. She knew it. Elle le savait. Yes, I have sinned. Oui, j'ai péché. And she knew the judgment upon her. Et elle connaissait le jugement sur elle. She not trying to resist. Elle n'a pas essayé de résister. When she was brought to Jesus, quand on l'a amené à Jésus, she not argue. Elle n'a pas discuté. She was there. Elle était là. She was not fighting. Elle ne luttait pas. She was not arguing. Elle n'était pas en train de discuter. Nobody commits adultery alone. Personne ne commet l'adultère seul. She not even say, why are you charging? Why did you bring only me? Where is the man I was sitting with? Elle n'a même pas dit, pourquoi est-ce que vous m'emmenez seulement moi seul? Où est l'homme avec qui j'ai bien péché? Non. She knew she had sinned. Et elle savait qu'elle avait péché. She not trying to point the finger to anyone else. Elle n'a pas essayé de pointer le doigt à quiconque. She was ready. Mais elle était prête to accept her judgment. À accepter son jugement. And she was brought to the Lord. Et on l'a appelé au Seigneur. And the Lord said, et le Seigneur a dit, I will not condemn you. Je ne vais pas te condamner. I forgive. Je te pardonne. But as you go now, pendant que tu pars maintenant, have a new start. Et un nouveau commencement. Those who meet the Lord, ceux qui rencontrent le Seigneur will receive the gift of forgiveness. Vont recevoir le don du pardon. And they will always have a new start. Et ils vont toujours avoir un nouveau commencement. The reason why people don't know whether they have met the Lord or not, la raison pour laquelle les gens ne savent pas s'ils ont rencontré le Seigneur ou pas, is because they have never started a new life. C'est parce qu'ils n'ont jamais commencé une nouvelle vie. So they are confused. Donc ils sont confus. The Lord will forgive them. Le Seigneur va les pardonner. They will enjoy the forgiveness of God. Ils vont se réjouir du pardon de Dieu. They will continue the old life. Ils vont continuer dans l'ancienne vie. So they cannot really say, ils ne peuvent pas vraiment dire, the day I met the Lord, le jour que j'ai rencontré le Seigneur, j'ai été pardonné. And I started a new life. Et j'ai commencé une nouvelle vie. That is different. Qui est différente from my old life. De mon ancienne vie. People are responsible of the confusion of their own lives. Les gens sont responsables de la confusion de leur propre vie. Who was to start? Who was to sin no more? Qui devait plus pécher? The woman. La femme. Who was to forgive? Qui devait pardonner? Jesus. Jésus. Did he? A-t-il pardonné? Yes, he did. Oui. He forgave her. Il lui a pardonné. But who was to sin no more? Mais qui ne devait plus pécher?
The woman, la femme, she was justified. Elle devait justifier the forgiveness of God. Le pardon de Dieu in her life. Dans sa vie. I have been forgiven. J'ai été pardonné of my sins. De mes péchés. Not to go and continue. Pas pour aller et continuer. But to start a new mais pour life. Commencer une nouvelle vie. The new life, la nouvelle vie, was to justify her forgiveness. C'est justifier son pardon. The new life, la nouvelle vie, was a testimony. C'est un témoignage that she has met the Lord. Qu'elle a rencontré le Seigneur. And he gave her a new beginning. Et il lui a donné un nouveau commencement. A new life, une nouvelle vie. Which was different. Et était différente from the old life. De l'ancienne vie. Hallelujah. Amen. I just love that and someone that I wanted to say something about it. Et j'ai témoigné simplement que je voulais dire beaucoup sur ça. So the prostitute. La prostituée. At the high court of God. À la haute cour de justice de Dieu. Was forgiven. Elle a été pardonnée. The adultery. L'adultère, la femme adultère. Which is a death. Qui méritait la mort. She received the grace of God. Elle a reçu la grâce de Dieu. And she was forgiven. Et elle était pardonnée. Brother. Frère. Sister. Sœur. In the high court of God. À la haute cour de justice de Dieu. As you are brought before Jesus. Quand on t'amène devant Jésus. You are forgiven. Tu es pardonné. You are forgiven of all your sins. Tu es pardonné tous tes péchés. This woman, cette femme, she was caught. Elle était prise. Oh, that much she was caught. Oh, Dieu merci, elle était prise. Because that she was caught gave her the opportunity to appear before the Lord. Parce que le fait qu'elle a été prise lui a donné l'opportunité d'apparaître devant le Seigneur. Now there were a lot of adulterers among those. Il y avait beaucoup d'adultères parmi ceux-là qui l'adusaient. They were fornicators. Il y avait les fornicateurs. But because nobody has caught them. Mais comme personne ne les a attrapés. They were like normal. C'était comme normal. Oh, that girl, she was caught. Oh, Dieu merci, elle a été attrapée. When she was caught. Elle a été prise. She was brought to Jesus. Elle a amené à Jésus. Those who were not caught. Ceux qui n'ont pas pris, qui n'ont pas été attrapés. And who continued. Et qui ont continué. They've never experienced forgiveness. Ils n'ont jamais expérimenté le pardon. Like she did. Comme elle a expérimenté. Thank God she was caught. Dieu merci, elle a été prise. So when she was caught, elle a été prise. Of course she was not caught alone. Bien entendu, elle n'était pas. We don't know what happened to the man. On ne sait pas ce qui s'est passé avec l'homme. Maybe he ran. Peut-être qu'il a fui. Maybe he was full of muscles. Peut-être qu'il était plein de muscles. Maybe people who caught her would not catch. Les gens qui ont attrapé la femme ne pouvaient pas l'attraper. Or maybe he bribed them. Peut-être qu'il les a corrompus. And you know, people, and it says, in the eyes of those people, for the adultery was worse sin than bribery. Et aux yeux de ces personnes, comme l'adultère était plus grave que la corruption, according to them, selon eux, everyone you bribe them, les a corrompus, so they allow him to go. Ils l'ont permis de partir. But the Bible doesn't tell us what happened. La Bible ne nous dit pas ce qui s'est passé. And this man was brought. Et cette femme a terminé. Oh, brother. Oh, frère. Peut-être qu'ils l'ont tenu par les cheveux. Ils l'ont poussé. C'est toi qui as fait cette disgrâce à Israël. Tu es en train de soulever notre nation. Tu es en train de violer la loi de Moïse. And he brought her. Et il m'a amené. Oh, what a shame. Oh, quelle honte qu'elle a expérimenté. But she was brought to the street. Et il l'a amené dans la rue. And the people, the Pharisees, they described her, arrested her. Et les pharisiens et les gens qui l'ont arrêté. Where is Jesus? Où est Jésus? You want to know what it is about this woman? Et nous voulons savoir ce qu'ils vont faire à cette femme. Et les gens disaient là-bas, il est à la montagne en train de prêcher comme d'habitude. Et ils sont venus. And they disrupted the meeting. Et ils ont arrêté tout le monde la réunion. And they said they were saying themselves. Et ils se disaient, we are the guardians of holiness. Nous sommes les gardiens de la sainteté. We are the defenders of the holiness. Nous sommes les défenseurs de la sainteté de Dieu. We have a big news. Nous avons une grande nouvelle. We have caught this woman. Nous avons pris cette femme. In the act of adultery. En flagrant délit d'adultère. We know what Moses said about her. Et c'est ce que Moïse dit. We are educated according to the law of Moses. Nous sommes éduqués selon la loi de Moïse. We know what he says. Nous savons ce qu'il dit. According to the law of Moses. Selon la loi de Moïse. She must be stoned. Elle doit être lapidée. You Jesus. Toi Jésus. You have come with a new teaching. Et tu es venu avec de nouveaux enseignements. That seems quite different from the law of Moses. Et qui semble un peu différent de la loi de Moïse. What do you say? Qu'est-ce que tu dis? About her. Par rapport à elle. What is your verdict about her? Quelle est ta version par rapport à elle? We are the guardians of the holiness of God. Nous sommes les gardiens de la sainteté de Dieu.
We are the policemen. Nous sommes les policiers of the holiness of God. De la sainteté de Dieu. We fight against those who sin against God. Nous luttons, nous combattons ceux qui pêchent contre Dieu. We are righteous. Nous sommes justes. And we don't have any sin among us. Et nous n'avons aucun péché parmi nous. We want to purify Israel. On va purifier Israël. From people who are defiling our holy land. Les gens qui sont en train de souiller notre nom saint. Jacinthe. Elle a péché. We have the facts. Nous avons les faits. She must be stoned. Elle doit être lapidée. What do you say? Qu'est-ce que tu dis? Now, brother. Frère. That question. Quelle question? Was out of the scope of the mission of Jesus Christ. Était en dehors du but ou de la sphère d'action de Jésus. They were asking him. Ils lui demandaient to do something de faire quelque chose. That was not included in his mission statement. Il n'était pas inclus dans sa mission. They wanted him to condemn. Et ils voulaient qu'il la condamne. They wanted him to give his own verdict. Et ils voulaient qu'il donne son propre verdict of judgment. De jugement. Moses has condemned you. Moïse a condamné. What do you say? Qu'est-ce que tu dis? They wanted him to do something his father had not sent him for. Les gens voulaient qu'il fasse quelque chose pour laquelle son père ne l'a pas envoyé. Why? Pourquoi? Because of John chapter 3 verse 17. À cause de Jean chapitre 3 verset 17. John chapter 3 verse 17. Jean 3 chapitre 17 dit. For God sent not his son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. Dieu en effet n'a pas envoyé son fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. God has sent Jesus. Dieu n'a pas envoyé Jésus to judge the world. Pour juger le monde. Non, c'est pas pour ça qu'il est venu. Il est venu to seek, pour chercher, that you say, et pour sauver those who are like ceux qui étaient comme cette femme. And now they're asking him, give your judgment. Donne ton jugement. That's why. Pourquoi? He had nothing to say. Il n'avait rien à dire. So he bent. Il s'est pas moqué. He was not interested. Il n'était pas intéressé. The Bible says he was writing on the floor, as if comme si he has not heard anything. Il n'avait rien entendu. And brother, when you read the Bible, quand tu lis la Bible, the greatest reaction of God is silence. La plus grande réaction de Dieu, c'est le silence. When God is agreeing with you, quand Dieu est en accord avec toi, God does not speak to you. Il ne te parle pas. So his silence, son silence, was a rebuke. Était une rebuke. I'm not interested. Je ne suis pas intéressé. That is a good news for you. It's not for me. Ce qui est ça, c'est une bonne nouvelle pour vous. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour moi. Because the God, parce que le Dieu, who covered, qui couvre, who has covered, qui a couvert, the nakedness of Adam, la nudité d'Adam, the God, le Dieu, who was angry, qui était en colère, that Ham exposed the nakedness of his father. Que Ham avait exposé la nudité de son père, the God, le Dieu, the Father, le Père, who covered all the dirt in the body of the prodigal son, le Dieu qui a couvert la saleté, la nudité du fils prodigue qui était sale. Il ne pouvait pas être intéressé par ceux qui exposent the sin of others. Les péchés des autres. They were ugly in his eyes. Laid à ses yeux. Because parce que they too were sinners. Eux aussi étaient des pécheurs. He was not interested. Il ne pouvait pas être intéressé. Because you look at them. Il ne pouvait même pas les regarder. Because parce que they were exalting sin. Ils étaient en train d'exalter le péché. That's why. C'est pourquoi. They couldn't look at them. Ils ne pouvaient pas les regarder. Because the Bible says. Ça veut dire. The God, the eyes of God are too pure to see sin. Les yeux de Dieu sont tellement purs pour regarder le péché. Too holy. Tellement saint. And they came. Ils sont venus. And they were exalting sin. Ils étaient en train d'exalter le péché. Chasser le péché. What is love into that? Where is love? Oui, l'amour dans ceci. The Bible says, love covers. L'amour couvre. The multitude of sin. Une multitude de péchés. So they were not acting in love. Ils n'étaient pas en train d'agir par l'amour. They were acting in self-righteousness. Ils étaient en train d'agir dans la justice de soi. Self-righteousness. Justice de soi. But he said, but they want me to act in a domain that
is not in my mission. Vous voulez que j'agisse dans un domaine qui n'est pas dans ma mission. Ok, you want to talk about sin? Ok, vous voulez parler du péché? Let us talk about sin. Parlons du péché. Let any of you here. Que le premier parmi vous. Who has not sin? Qui n'a pas péché. Let him cast the first stone. Qu'il jette la première pierre. You want to talk about sin? Vous voulez parler du péché? Now we're not talking about. C'est ça que vous voulez parler? Parlons des péchés maintenant. Any of you, une personne parmi vous, qui n'a jamais commis de péché, qui soit le premier to cast the stone, à jeter la pierre. And that's what happened. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? The power can't move the crowd. La puissance de se mouvoir dans la foule, c'est bien pour la musique. Any of them. Chacun a vu le mouvement voir dans sa conscience. Un movie. Un film dans la conscience. Movie of their own life. Le film de leur propre vie. And they began to see. Ils ont commencé à voir. Ils ont commencé à mentir quand ils avaient 2 ans. How they were stealing when they were 10 years old. Ils volaient quand ils avaient 10 ans. Where they were lying when they were 8 years old. Quand ils mentaient quand ils avaient déjà 18 ans. They began to see how they were fornicating. Ils ont commencé à voir comment ils avaient fornicé. As teenagers. Comme des adolescents. And the spirit of God began to bring their own sin in their conscience. Et l'esprit de la conscience de leur propre chien, leur propre conscience. They were not caught in the act of adultery. Ils n'étaient pas pris dans l'acte de l'adultère. Or their mind was full of adultery. Pensez de plein d'adultère, de saleté. The history, the movie began to go through their conscience. Et le film a commencé à traverser leur pensée, leur conscience. All of them. Eux tous. And those who have lived longer have seen more. Et ceux qui avaient plus péché. So they were the first ones. C'était les premiers. To feel that. Pour sentir que. They were not to be there. Ils n'étaient pas, je pourrais être là. And then, et. Calmement. Ils ont commencé. Quand ils ont commencé à aller, disparaître. So that, afin que. Et l'un après l'autre. They left. Ils ont quitté. They wanted to talk about sin. Ils voulaient parler du péché. They were not qualified. Ils n'étaient pas qualifiés. Only one was qualified. Seulement une personne était qualifiée. The King of Kings. Le roi des rois. The Lord of Lords. Seigneur des seigneurs. Who has never sinned. Il n'a jamais péché. And he was there now. Et il était là maintenant. He was the judge. Il était le juge. All the accusers. Tous ceux qui accusaient. Ils étaient disqualifiés. They have disappeared. Ils ont disparu. In such a silence that he would not even realize it. Et dans un silence tellement qu'il ne pouvait même pas réaliser ça. They have vanished. Ils ont se évaporé. Like ghosts. Comme des fantômes. Now. Maintenant. The Lord was in front of him. Le Seigneur était devant moi. Oh, frère. Now the accusers have disappeared. Les accusateurs ont disparu. So the air was clear. Donc l'air a été nettoyé, dégagé. He could now lift up his eyes. Il pouvait maintenant lever ses yeux. And now look now. Et maintenant regarder normalement. So that people who are exalting sin. Pour que les gens qui exaltent le péché. Have disappeared. Ont disparu. So now. Maintenant. They could lift up his eyes. Ils pouvaient lever maintenant. The atmosphere was clear. He said, woman, the farm, where are those who are accusing you? Où sont ceux qui t'abusaient? None of them have condemned you? Personne parmi eux n'a condamné? She said, yes. Elle a dit oui. They have all disappeared. Ils ont tous disparu. Now I, maintenant moi, who have the power, j'ai le pouvoir to condemn you, de te condamner. I am not condemned. Je ne vais pas te condamner. I forgive. Je te pardonne. Because I came. Parce que je suis venu. For people like you. Pour les gens comme toi. I came. Je suis venu. To forgive you. Pour toi, pour te pardonner. I came. Je suis venu. To give you a new beginning. Pour te donner un nouveau commencement. I came. Je suis venu. To bless you. Pour te bénir. Woman. Toi. You're free. Tu es libre. None of them will touch you. Personne ne va te toucher. Because my favor. Parce que ma faveur. Is upon you. Est sur toi. Go. Bah. And start again. Et commence encore. And live better. Et vis de manière meilleure. You see, brother. Mon frère. She would have been, she must have been empowered. Elle a dû être fortifiée. Yes. By the love of God. Par l'amour de Dieu. She must have been empowered. Elle a dû fortifiée. By the grace. Par la grâce de Dieu.
Why? Pourquoi? Because she was conscious that she had sinned. C'était consciente qu'elle avait péché. And she was conscious that she deserved death. Et elle était consciente qu'elle méritait la mort. But now, et maintenant, the love of God, l'amour de Dieu, and the grace of God, et la grâce de Dieu, has baffled her. Et l'a envahie, totalement envahie. L'a époustouflée. The love of God, l'amour de Dieu, has revived her. L'a ravivée. She knew. Elle savait. That the woman, que la femme who was living in sin, qui vivait dans le péché, was given another chance. Elle en lui a donné une nouvelle chance. It was like resurrection. C'était comme la résurrection. A new beginning. Un nouveau commencement. For a new life. Pour une nouvelle vie. For the glory of God. Pour la gloire de Dieu. Now. Maintenant. Start again. Commence encore. And sin no more. Ne pêche plus. The Bible says that the law. Que la loi came through Moses. Est venue à travers Moïse. What is the law? Qu'est-ce que la loi? If you commit adultery, si tu commets l'adultère, you will be stoned. Tu seras lapidé. If you commit this sin, si tu commets ce péché, you are separated from God. Tu es séparé de Dieu. And you deserve death. Et tu mérites la mort. But the Bible says, la Bible dit, but mais grace, la grâce. What is grace? Qu'est-ce que c'est la grâce? Grace undeserved favor. La grâce, c'est une faveur imméritée. Mais la grâce de Dieu, give it to those who do not deserve it. Donnez à ceux-là qui ne méritaient pas ça. Like this woman, comme cette femme, she don't deserve forgiveness. Elle ne méritait pas le pardon. Because the sin was there. Parce que le péché était là. But she was given forgiveness. Donnez le pardon. Out of the love of God. Par l'amour de Dieu. Because of the compassion. À cause de la compassion de Dieu. She doesn't deserve it. Elle ne méritait pas ça. But she received. Elle a reçu ça. The Bible says that law came through Moses. Que la loi est venue par Moïse. But grace and truth came through Jesus. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus. The man Jesus Christ. L'homme Jésus-Christ. Grace. La grâce and truth. Et la vérité. And somebody says that truth. Que cette vérité. Is on the side of grace. Et du côté de la grâce. Yes. And Jesus Christ has said, lui m'a dit, that I take pleasure. Je prends plaisir in mercy, dans la miséricorde, more than in justice. Plus que dans la justice. God rejoices. Dieu se réjouit. More. Plus. In forgiving. Dans le pardon. In mercy. Dans la miséricorde. In compassion. Dans sa compassion. That in he's in judging and condemning. Et dans le courrier, et juger, et condamner. Oh, brothers and sisters. I saw a movie about Jesus. When this woman stood up. Quand cette femme s'est levée. In the movie. Dans le film. Oh, her heart was full of joy. Oh, son cœur était rempli de joie. The shame was upon her, it was removed. Et la honte qui la couvrait a été enlevée. Dignity was restored. Sa dignité a été restaurée. And indeed, she had the power to live a new life. Elle avait maintenant le pouvoir vivre une nouvelle vie. She wanted to thank this man. Elle voulait remercier cet homme. Who could judge her? Who would judge her? But who stood by her? Il s'est tenu avec elle. Who defended her? Il l'a défendue. Who forgave her? Il lui a pardonné. And who gave her a new opportunity to live? Une nouvelle opportunité pour vivre. Oh, brothers and sisters. Frères et sœurs. When you see the woman in that movie, when you see the woman in that movie, she was healed. Elle était guérie of her past life, de sa vie passée, because of the love of God. À cause de l'amour de Dieu. So powerful. C'est tellement puissant. So powerful. C'est tellement puissant. You see, brother. My friend. At the high court of God. À la haute cour de justice de Dieu. God is telling you. Dieu est en train de te dire. My son. Mon fils. Whoever you are. Quel que tu sois. My daughter, ma fille, I forgive you. Je te pardonne. I forgive you. Je te pardonne. But go and still no more. Mais va, il ne pêche plus. Is there anyone here? Y a-t-il quelqu'un ici? Who want to lay hold of that forgiveness? Qui veut saisir ce pardon? What is the Lord? Qui veut dire Seigneur? I receive your forgiveness this morning. Je reçois ton pardon ce matin. And as I leave this church this morning, et pendant que je quitte cette église ce matin, as you said, comme tu l'as dit, I will sin no more. Je ne vais plus pécher. As far as I am concerned, et aussi tant que je suis concerné, I sin no more. Je ne vais plus pécher. I will live, Father, je vais vivre, Père, for your glory, pour ta gloire.
Is there anyone here? Y a-t-il quelqu'un ici? Who want to take that decision? Qui veut prendre cette décision? To go to experience a new beginning. Pour expérimenter un nouveau commencement. At this moment. Comme cette femme a fait. Brothers and sisters. Frères et sœurs. He did not come to judge. Il n'est pas venu pour juger. He did not come to condemn. Il n'est pas venu pour condamner. And as long as we speak about Jesus, et aussi longtemps que nous parlons de Jésus, that is the message, c'est le message that must always be clear, qui doit être toujours clair. Our living God, notre Dieu vivant, loves us, nous aime. You see, brother, mon frère, one thing about the gods that my brother was talking about, une chose comparée au Dieu dont mon frère parlait, they threaten you. C'est Dieu la menace. They bring fear upon you. Ils apportent la crainte sur toi. But Jesus, mais Jésus, delivers you from fear. Il délivre de la crainte. He empowers you. Il te fortifie. He strengthens you. Il te fortifie dans la force. He encourages you. Il t'encourage. He refreshes you. Il te rafraîchit. He lifts you up. Il t'élève. He says, son, il dit, mon fils, I know you are afraid. Je sais que tu as peur. But what I want, ce que je veux, start up again. Lève-toi encore. And move forward. Et avance. In the life that will glorify your father. Dans la vie qui va glorifier ton père. Daughter, fille, I know, je sais that you have failed, que tu as échoué many times, plusieurs fois. But what I want of you, mais ce que je veux, stand up, lève-toi and move, et avance into a new level of life, dans un autre niveau, un nouveau niveau de vie, for the glory of God, pour la gloire de Dieu. Who here? Qui ici has the humility of heart? A l'humilité du cœur. Like that woman. Comme cette femme. Now I want you to know one thing, brother. Et vous savez une chose. When the eyes of Jesus was on the ground, quand les yeux de Jésus étaient sur la terre, he did not try to protect her. Pas. He was not watching over her. Il ne veillait pas sur elle. She could have run away. Elle pouvait fuir. After the last accusers gone. Après que les derniers accusateurs sont partis. She could have run away. Elle pouvait fuir. But she didn't. Elle n'a pas fui. She had the courage. Elle avait le courage. To face her situation. Pour faire face à la situation. She was honest. Elle était honnête. Yes. Oui. Yes. J'ai péché. Let it be done to me according to my sin. Que on fasse de moi selon ce que j'ai fait comme péché. She knew. Elle savait. According to the law of Moses. Que selon la loi de Moïse. She was condemned to death. Elle était condamnée à la mort. She was not fighting. Elle ne luttait pas. She was not resisting. Elle ne résistait pas. She has agreed. Elle s'est accordée. She was honest. Elle était honnête. That's why. C'est pourquoi. She was forgiven. Elle a été pardonnée. She not running. Elle n'a pas fui. She not justified. Elle n'a pas justifié. She spoke only when the Lord asked her. Elle a parlé seulement quand le Seigneur lui a posé une question. Woman, femme, where are you accused? Où sont tes accusateurs? Yeah, les gens ils sont tous partis. Why did you leave us? Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas partis aussi? She didn't. The forgiveness of God. Le pardon de Dieu is available this morning. Est disponible ce matin. For whoever. Quiconque. Has péché. You are not in the high court of men. Tu n'es pas à la haute cour de justice des hommes. We are all disqualified. Nous sommes tous disqualifiés. You are in the high court of God. Tu es à la haute cour de justice de Dieu. Forgiveness is awaiting you. Pardon. Attends. Viens, tu vas ici. Bow your head. Pour la tête. Et reçois cela.